En 10 ans, peut-on régler tous les problèmes d'une nation? Une belle question. C'est cette ultime question qui a réuni les délégués des arrondissements, des communes, des départements du Bénin et des structures en quête de la continuité des actions du président Talon dans le mouvement Olivier Bocco 2026, MOB 26. À la place de Lénine à Cotonou, ils se sont engagés ce samedi 15 juillet 2023 à œuvrer pour porter Olivier Bocco dans le fauteuil présidentiel en 2026 à travers la convergence des forces du MOB 26, indépendamment de tout bord politique. Le mouvement OB 26 n'est pas un parti politique. C'est un groupement d'hommes et de femmes qui, à la cause de la rupture, est pris de paix, de justice et de développement. Le mouvement Olivier Bocco, créé pour permettre à la couche juvénile de participer à la prise de décision et d'assurer son épanouissement et ceux du peuple béninois, est, pour la présidente du MOB 26, Sonia Léonel Alokenou, l'avenir de toute la nation béninoise. MOB 26 est la meilleure solution. Avec lui, les besoins physiologiques, les besoins de sécurité, les besoins d'appartenance et les besoins d'accomplissement seront plus affermis et plus concrets. Notre vision est très grande et ambitieuse, car nous voulons que le Bénin soit le Dubaï de l'Afrique. Mesdames et messieurs, seul Olivier Bocco en est capable. Il est notre choix. Il est tout aussi celui du peuple. Et son accompagnement est désormais notre job. MOB 26, regroupant tous les mouvements d'appel à candidature d'Olivier Bocco, est prêt à mener le combat pour le bien-être des populations du Nord, du Septentrion et du Sud. Mais le mouvement n'espère qu'une et une seule chose de leur leader charismatique. Cette sortie a le mérite de nous dire que le peuple est déjà prêt et n'attend que votre oui, cher papa. Nous n'attendons que votre oui. Votre oui est l'attente de tous ces jeunes qui comptent sur vous. Si Olivier Bocco, l'homme de rigueur et de confiance en qui les militants et militantes du MOB 26 portent le choix, n'aspire pas encore à la présidentielle de 2026, la prophétie prononcée les conduira. Écoutez la parole de l'Éternel. Terre, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Inscrivez le nom de Olivier Bocco comme président de la République du Bénin en 2026. Au nom de l'Éternel, créateur du ciel et de la terre, c'est fait. Les objectifs sont fixés, les idéologies sont claires, mais seul le travail collectif permettra de porter haut le flambeau d'Olivier Bocco. Loin de dormir sur nos succès, nous pouvons dire que c'est maintenant le travail commence. Nous vous invitons à préserver votre engagement et à retenir que les obstacles sont le chemin à emprunter. Restez ferme et déterminé. Il est impératif de travailler à maintenir le Bénin à son niveau actuel ou carrément se surpasser, à le hisser au rang des nations développées. Pour la concrétisation des souhaits du MOB 26, la présidente lance un appel aux sages et aux personnalités à divers niveaux. Cette initiative bouscule un peu les enjeux politiques. C'est pourquoi je voudrais rassurer les grands partis traditionnels et les inviter à nous soutenir lorsque ce sera le moment de prendre la bonne décision. Soutenez-nous, chers parents. Le mouvement Olivier Bocco 2026 est donc lancé pour que le Bénin gagne. Bocco, Olivier. Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérite TV Monde peut vous satisfaire.
Pour tout renseignement, contactez le 00 229 91 19 10 10. Guérite TV Monde, le leader des web TV.